Et bien salut tout le monde, c'est XBSK et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play, mais cette fois-ci en coop et on espère que cette fois-ci Traka n'aura pas de problème de co. Bonsoir, et oui j'espère bien. Bonsoir, attends il fait soleil dehors là, ma gueule. Oui mais pour tes vidéos c'est le soir donc tu vois je m'avance ah oui, un peu. Pas con, bah ouais mais si regarde le matin. Bon matin. Voilà. Bref, donc on se retrouve pour un let's play coop sur Borderlands 3. Pour ceux qui se demanderaient, on l'a pas fait sur la sortie parce que on n'est pas des femmes. Moi, en tout cas, je suis pas un grand fan de Epic Game Store. Ils peuvent sucer mes grosses couilles velues, l'Epic Game Store. Hein. Donc du coup, vu qu'on savait qu'il allait sortir sur Steam plus tard, ben voilà, moi je l'ai acheté sur Steam. Traka l'a acheté sur Steam. Et voilà. Donc on va lancer le let's play hein, si ça vous dérange pas. Alors du coup, on fait quoi? On va en mode fastoche? On a des pucis? Oh non, mode difficile. Ah, y'a pas, y'a juste mode normal. Fastoche. Oh merde. Moi je voulais le mode ultra hardcore. Alors, coopération compétitif. Ouais, non, on va mettre coopération. Ouais, on coopération. On est pas des seuls. On va pas se taper dessus. Donc, vous aimez les histoires, hein? Un récit d'aventure au beau milieu des étoiles. Approchez. Écoutez donc le vieux Marcus. J'ai justement de quoi vous faire rêver. Mon histoire commence ici, sur une planète reculée appelée Pandore. Pour beaucoup, ce n'est qu'une terre d'avarice et de violence. Ce qui n'est pas faux. Mais, à condition d'avoir un minimum de talent, elle peut aussi regorger d'opportunités. Les chasseurs de l'Arche. Ils fouillent ces zones reculées à la recherche de trésors aliens enfouis. Mon père me racontait déjà leurs aventures quand j'étais enfant. Et maintenant, c'est à mon tour. Vous vous demandez sûrement ce qu'on trouve dans ces arches. La gloire, la fortune, la puissance, ou bien des conneries comme la charité ou la famille. J'en sais rien, moi. Vous avez qu'à imaginer. Mais quoi qu'elle renferme, un chasseur de l'arche doit être assez déterminé pour arracher la victoire des mains jalouses du destin. Mon histoire du jour s'intéresse à un groupe bien spécial de chasseurs de l'arche, dont l'aventure débute à peine. Un groupe audacieux et affamé. Si je vous en parle, c'est peut-être qu'ils me font penser à vous. Mais juste un peu, je veux pas que ça vous monte à la tête. Ces nouveaux chasseurs de l'arche répondent à l'appel d'une sirène. Cette sirène s'appelle Lilith, et c'est une véritable héroïne. Elle a sauvé Pandore au moins une dizaine de fois. Et aujourd'hui, elle cherche à former une équipe pour retrouver une carte. Une carte qui la mènera à toutes les arches de la galaxie. Mais elle n'est pas la seule à la chercher. Des forces maléfiques ont envahi la région. Une nouvelle menace pire que ce que la galaxie a pu connaître jusqu'alors. Mon histoire commence ici, sur Pandore, avec nos nouveaux chasseurs de l'arche, la sirène qui les guide, puis bien entendu... Moi.
Ah, quelle merveilleuse journée, remplie d'opportunités. Alors, y'aura qui ? Une sirène guerrière de Partali. Féroce, puissante. Ça pourrait servir. Un agent spécial, un dompteur. T'avais déjà une idée, hein ? Non ? Ouais, j'avais déjà une idée, mais attends. Un dompteur. En fait, ce que je voulais dire, c'est que, en gros, déjà, je pense qu'on peut mettre les trois dompteurs dans le cul, hein, parce que pour la musique qu'il y avait au début, 100% copyrighté, ça c'est sûr. Bah, toi, ouais, c'est sûr que là, tu les prends. Hein. Toi aussi, tu vas les prendre, hein, je pense. Ouais, mais je suis pas monétisé, donc je m'en fous. C'est vrai. Bon, bah, de toute façon, Traka, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jouer Amara, et moi, je vais jouer Flak, parce que j'ai bien aimé ce que j'avais testé de Flak avec son pet. Donc Amara, bah, c'est la bonasse du groupe, quoi. Voilà, allez, hop, Flak. Planète d'origine inconnue. Garde ta bestiole en laisse, ok ? Ah, tiens ! Un nouveau chasseur de l'Arche. Moi, c'est Marcus. On peut dire que t'as choisi le bon moment pour rejoindre les pillards écarlates. Tiens, quelqu'un a survécu à l'attaque. Je suis Lilith, commandant des pillards écarlates. Les bandits que tu viens de combattre font partie d'une secte qui cherche la carte des arches. Mais toi et moi, on va la trouver avant eux. Mon éclaireur t'attend un peu plus loin. Bonne chance. Elle parle dans mon esprit. Étrange. C'est ici que tu descends, toi. Excellent. Que la chasse commence. Essaie de rester en vie. Ça m'ennuierait de perdre un nouveau client. Et bienvenue sur Pandore. Oh, il y a Traka à côté. Il y a aussi Claptrap. Je suis un robot ciel 4 PTP, mais tu peux m'appeler Général Claptrap des Pillards Écarlates. C'est quoi ton petit nom ? Je t'autorise à m'appeler Flak, en attendant que je décide ou non de te tuer. Merci. Je vais te précommander une pierre tombale, on sait jamais. Donc, les Margoulins qui ont voulu te tuer, ce sont les descendants de l'Arche, une secte de bandits qui seraient prêts à se jeter d'une falaise pour leur leader cinglé. Ce qui me fait penser, si on veut que tu m'obéisses au doigt et à l'œil, il va te falloir un système écho. Genre, tu me l'as pris des mains. C'est un bug. Légèrement plus puissant que les coteux. Ah mon dieu, regarde, ça marche pas satellite. En 5G. Ils le vendent toujours, non, 2G. Mais sur une version générique de... grenade. Alors écoute, moi je peux bouger, hein. Lilith nous a demandé de capturer un centre de propagande des descendants de l'Arche. On va montrer à ces fanatiques que les pillards écarlates sont pas là pour badiner rigoler. Suis-moi pour la gloire. Pour la Horde. J'allais dire pour Azeroth. Pour mon joli Deltaplane. Avant qu'on se mette en quête, enregistre ton écho à cette station. Ah, le truc pour revenir à la vie si on meurt. Bon, je le laisse comme ça de toute façon. J'aime bien le petit truc d'agrément là, on dirait ça, un vieux truc de Windows 98. Ouais, j'avoue. Le centre de propagande est par là. Ouais. Ah, c'est con. Une porte fermée. Non, c'est impossible. C'est toute la mission qui t'en va. Vas-y, regarde-moi. Réfléchis, Claptrap. T'es courageux et puissant. C'est quoi, et les gens font toujours ce que tu leur demandes. Je sais pas. Change-moi ça, tu gâches le personnage, sérieux. Recrue, ouvre cette porte. C'est un ordre de ton supérieur hiérarchique. Bah oui, mais le jeu il veut pas que. Voilà, c'est bon. T'es la meilleure recrue. Parmi tant d'autres. Là, j'ai que 87 de vie. Ouais, pareil, pareil. Oui. Ah mon dieu, les Children of the Vault. Ça me presque allemand ça. Là ça va me faire rire quand il va... Enfin, j'ai vu le début hein, mais... Oh, pareil, pareil. Quand il va se la jouer discrétion, c'est trop drôle. Ouais. Le doubleur qui double Claptrap, il doit vraiment se faire plaisir. Ouais, franchement.
trop discret. Même les devs qui développent le cap-rap. Je suis le robot le plus discret de tous les temps. Oh, c'était très fort. Parfait. Quand la mission sera finie, l'élite sera obligée de me nommer super général. Recule. T'as vu quand même, hein. C'est bien parce que dans ce jeu, les textures sont plus belles que sur Final Fantasy VII Remake. C'est surprenant. Ouais, j'avoue. Que tu sois encore en vie. J'avoue. C'est rien. Sur Pandore, c'est quand il n'y a pas d'explosion que tout le monde trouve ça bizarre. Prends ton arme, recrue. Tu vas en avoir besoin. Ces armes, un peu comme moi, ne sont comment on fait pour changer de type principale. Ah ouais, c'est je peux ouais, danser et chanter. Et certaines armes incluent aussi quoi, le corps à corps encore. Mmh le corps à corps. V. V. Putain, ça marche. Ah, des lunes. T'as mis quoi? Ah ouais, ah, c'est un duel. Non, non, faut que je l'accepte, c'est bon. C'est vrai que j'avais oublié que si t'avais acheté un point corps à corps, c'est duel. Devenir ouais, pareil. Et ensuite, tu les massacreras par surprise sans pitié. Admire le style, recrue. Allez, vas-y. Eh oh, y'a quelqu'un? Je suis Shiv, sans influenceur des descendants de l'Arche. Qu'est-ce que tu veux, tas de ferraille? Bonjour, cinglé à toi, fait de sang. Je suis Claptrap, bourreau du destructeur et super général des pillards écarlates. Vous êtes complètement encerclé. Si vous nous ouvrez la porte, je ferai éventuellement preuve de clémence. Bien sûr. Laisse-moi réfléchir. Ils se font peut-être appeler les descendants de l'Arche, mais ça reste que des bandits, et les bandits sont terriblement stupides. Ah, c'est la torche qui m'a brûlé, t'es sérieux? Putain, elle me brûle! Ah ouais. C'est bien ce que je pensais. Ouvrez immédiatement les portes à votre nouveau roi. Bon, on va s'écarter, doucement, hein. Doucement, doucement. Je vais sortir. Juste une seconde. Voilà. On a réussi. J'ai réussi. Encore une victoire des pillards, c'est quoi? Encore une victoire des canards. Je me sens bizarre. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? On peut l'échappement. Ah putain, j'avais oublié que c'était une carrière de mélange. Oh putain, je l'ai coupé en petits morceaux, le mec. Soigne-toi, recrue. Au. Ah, j'ai plus de mine. Ah, si j'en ai encore. Tiens, dans ta gueule! D'accord? Ah, d'ailleurs, tous les loots sont pour nous ou enfin. Non, c'est toujours à partager. Ah, merde. Que j'ai pas fait. Recrue! Je sais que Claptrap peut être un peu Claptrap, mais c'est quand même l'un des nôtres. Tu vas devoir le sauver. On change d'heure. Je te rejoins très vite. Molette. Ah, ça va être casse-couille s'il faut se partager les loots. Ah bah ça. Traka, wait for me. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de loot par rapport au solo en fait. Que moi j'en avais beaucoup moins. Oups! Ouais, niveau 2! Ouf! Il finit en ragout! What? C'est quoi ce flingue que j'ai looté? Je vais pas imposer! Ça c'est bon, faut pas se cotiser pour les loot quand même. Bah là, y'a du loot. Normalement, là, faut chercher l'armure. Ou ça, par contre, je garde. Ne survivra jamais à un affrontement avec Shiv sans protection. Alors, attends, ici il y a comme protection. Ah, c'est tous les mêmes, je crois. Non, on a une plus forte. Je vais te laisser la plus forte, je vais prendre. Attends, je vais.
J'ai la compétence d'action. Ah mais attends, comment ça fait que t'as... Deux. Je te vois avec une armure, c'est normal. What? Tous tes crétins de copains sont morts. Je te défie dans un duel judiciaire. Hein? Ouais. Sans m'en équiper un d'office. C'est mon fidèle sbire qui te bat. Ou j'ai dû en douter, hein, je sais pas. D'ailleurs, attends. Je peux ouvrir le menu écho. Alors, j'aimerais bien débloquer mon toutou, là. Attends, quoi, c'est où qu'on débloque encore? L'arbre de compétences, Bonne question. Compétences, c'est un petit rouage avec ta tête dans le menu. Ah mais attends, c'est où que je... familier, inflige des dégâts importants... Ok. Bon, je crois que je l'ai équipé, là. Donc, techniquement... Comment est-ce que... Hein? Attends, est-ce que... Oh, comment est-ce qu'on l'équipe? La compétence, elle est déjà équipée de base. Je sais pas, ça me dit de regarder dans mon arbre de talent, mais bizarrement je vois. Regarde ton arbre de talent et en fait tu choisis une des branches et t'appuies sur E longtemps. Ah non, c'est parce que j'ai mal équipé en fait. Ah voilà. Hey toutou. On étouffe tout flamme là. Oui, on va mourir surtout. Putain, mais comment ça se fait? Vas-y, attends, je te raise. Pourquoi tu m'as tué, tracard? I was believing in you! Ne va pas dans la lumière, j'ai reçu un succès. Vas-y, à toi de mourir maintenant. Eh, hey, Shiv, la branlette c'est mal, tu sais. Allez, mange! Vas-y, monsieur Mash! Monsieur. Non, c'est monsieur Mash, celui-là. Il semblerait que les humains de Pandore soient encore plus sauvages que sa faune. Vas-y, je vais le prendre. Mais t'as eu une arme, toi aussi? Non, ça tombe. Tu l'as pris ou pas? Bah, j'ai pris mon flingue là. Enfin, j'ai pris le fusil à pompe, quoi. Ok, bah, moi je l'ai aussi. Bah attends, ça veut dire que le loot est pour tout le monde, enfin... Je sais pas, moi j'en avais un qui était par terre. T'es sûr de l'avoir pris, le fusil à pompe? Ah oui, j'ai pris le fusil à pompe. Attends, ça voudrait dire qu'en gros, là, on est dans un système... Est-ce que chacun a son propre loot? Ouais, c'est une bonne question, là, pour le coup. Attends. Ouais, là, y'a des munes, bon. Là, y'a quoi? Bon, encore des munes. Essayons de trouver une cache ou est-ce que. On plus haut, je crois. Eh, je peux caresser ton familier? Ouais. Est-ce que je peux lui titiller le. Oui, enfin, va pas lui faire des trucs bizarres, genre les doigts dans le cul ou autre. Faudra peut-être éviter, hein. Putain, il y a un truc à coffre là. Mm-hmm. Vas-y, fais tomber Claptrap. Oui! Claptrap! J'ai réussi! À moi tout seul, j'ai affronté les DTA et je leur ai mis une belle gifle! On n'a plus qu'à prévenir Lilith que la mission est accomplie! Salut. Lilith, je suis en mesure de dire que l'opération Claptrap de 3 est une réussite totale. Et j'ai tout fait moi-même. J'en doute pas. Bon, puisque la secte a détruit toutes les autres forteresses des pillards, on va s'installer ici. Alors, comment tu t'appelles? Je suis Flak. Et toi, tu es la voix dans ma tête. Explique-toi. Ouais, je préfère te prévenir. C'est pas la chose la plus bizarre qui t'arrivera sur Pandore. Mais sérieusement, merci d'avoir répondu à mon appel. On n'est peut-être pas nombreux, mais avec une brutasse comme toi, on a une petite chance. Bienvenue chez les Pillards Écarlates. Pandore est une planète dangereuse. T'auras bien besoin de ce mode de grenade. Tu devrais t'en équiper avant qu'on commence. Préviens-moi quand ce sera fait.
instrument de la mort. Ça me plaît. Très bien. Tiens, y'a que moi qui entends des hurlements. En voilà d'autres. Recru, fais voir ce que t'as dans le vent. J'en porte par cette... Son second preuve. Ah, il pourrit ce fusil à pompe. Ouais, j'avoue, non, c'est bon. Pas encore à corps, il doit faire bien mal, mais... Au! Oh non, il est naze. C'est de fou. Putain, j'ai l'impression qu'on est sur la lune. Oh, une arme. Ah, j'ai fait un... En fait, un par strike, contre, il a quand même un bon pouvoir de répulsion, donc c'est pas trop mal en soi. Quand tu tires, à chaque fois que tu tires, les ennemis ils volent. Ouais. Ça fait des dégâts, tout ça. Ou... Je sais pas. Non, c'est bon. Ah, j'ai eu un fusil à pompe peu commun. Ah, il a l'air pas mal. Traca, viens ici, gros. Vas-y, j'arrive. Très bien, on a un point stratégique. Le vent va peut-être enfin tourner. Toi, recrue, viens avec moi. Bon, je t'explique. Il y a quelque temps, on a trouvé une carte. Elle indiquait des arches partout dans la galaxie. Le rêve, pas vrai? Mais je me suis pas rendu compte que ça nous collait une cible énorme dans le dos. On s'est fait attaquer, la carte a disparu. Et depuis, je la cherche partout. Pas ici. J'étais tellement à fond dans mes recherches que j'ai pas vu Pandore changer. Alors que les clans de bandits s'étaient toujours massacrés pour le plaisir, cette fois, ils s'étaient tous assemblés sous une même bannière. Une secte. Les descendants de l'Arche. Exact. Allez, viens, on va jeter un œil. Ils ont à leur tête des jumeaux Calypso, et leurs fidèles les vénèrent comme des dieux. Ils sont persuadés que la carte va les conduire à ce qu'ils appellent la Grande Arche, et ils massacrent tous les gens qui tentent de s'opposer à eux. D'après la rumeur, un clan de bandits aurait trouvé un artefact d'alien dans le désert. C'est peut-être la carte, et c'est ce qu'on est venu découvrir. Je monte la carte. Voilà. On est des petits pervers, hein. Ah, j'avoue, là... Magnifique. J'adore comment on suivait en mode, on se faisait des signes, en mode, ouais. T'as vu, t'as vu. T'as vu. Ah, ben, c'est partout, ici. Le plan des éditeurs a récupéré la carte sacrée des arches. Envoie nos fidèles, les invités à rejoindre la Sainte Famille. Et fais vite. Les dieux jumeaux sont affamés. La carte, je le savais. On doit trouver les éclipseurs avant eux. Je vais ouvrir la porte. Ok, on y va. Viens, c'est par là. C'est la guerre. Ouais, ouais, j'avoue. C'est les porteurs. Allez, vas-y, gros, lance. Genre, elle me regarde bizarrement, Lilith. ouais. Impossible de voyager quand t'as joué dans le menu. Merci, Traka. On peut le faire, yes. Espèce d'enculé, va. Je m'en souviendrai, hein. Ah, c'est parfait, on peut le faire et tout. Moi, j'aime bien. Je vais installer notre camp et trouver des infos sur les Calypso. Toi, trouve le chef de guerre des éclipseurs et fais ce qu'il faudra pour reprendre. Oh, y a quoi de beau ici. Je vois que vous avez les choses en main. La bonne question. Bonne chance. Moi, je dis. La tunasse. Ouais. Vas-y, bon, alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, c'est vrai que c'est pas top, mais on n'a pas trop le choix pour l'instant. Et puis, c'est pas la première fois que les pillards écarlates repartent de zéro. Mais c'est pas Sanctuary. Bon, vu qu'elle loot fasse vite décoller. T'as vu les loots là ici ou pas? Non. Dans le frigo. Ouais, j'ai des loots. Ok, tu les vois là? Ouais. Ok, bah alors maintenant c'est pour tout le monde. Enfin, c'est plus pour tout le monde, c'est... Chacun pour son... Enfin, chacun a son propre loot, ok. D'accord. Bon, du coup, faut y parler, c'est ça? Non, faut trouver le chef des éclipses. Eh, faut vendre aussi. Ouais, bah justement, ici. Alors. Des balles et des bombes.
ici, on ne juge pas. Prenez le bus et venez chez Marcus. Prenez le bus et venez chez Marcus, c'est ça. Okay. Il y avait pas une touche genre 1, 2, 3, 4 pour pouvoir changer les armes. Je pense que tu peux paramétrer, hein. Ah. Attends, j'ai pas fini de vendre. J'ai les meilleurs plans de la ville. Si ta gâchette fait clic, faut que... La map, vachement. Faut savoir c'est laquelle le meilleur. Je sais pas à quoi ça sert de caresser le familier par contre, mais... En tout cas, il est moche. Il est... Il a fait un roulé-boulé, là, j'ai pas rêvé. Et toi, t'as dit coucher. Ah, du coup, au début, on peut pas venir ici. On peut pas prendre des véhicules. Il y a pas l'autolock. Ah, il y a une quête là-bas. Il y en a même deux, je crois. Mon distributeur est cassé. Ah, mon dieu. Je vais faire pour être un profiteur de guerre un an pour vendre des armes de qualité à des chasseurs de l'arche héroïque comme toi. On va réparer mon distributeur. Enfin, je dis on, c'est surtout toi. Merci, hein. Avec compassion, ça vous étouffe. Ah, j'aime bien savoir avec qui je travaille. Qu'est-ce qui t'a fait choisir de devenir chasseur de l'arche? En tout cas, l'hémoglobine dans celui-là, hein. Ouais. Ah. J'ai vu un loot là. Ah, grenade. Bouclier. Encore un fusil à pompe. Et un pistolet commun. Voilà. Alors, on va passer plus de temps dans l'inventaire qu'autre chose. Ouais, j'avoue. Hop. Bah ça va, on a quand même des trucs. Oh, point de compétence, faut pas oublier. Ah ouais, j'avoue. Alors moi je vais partir sur des dégâts de familier parce que j'ai la flemme de viser. Moi c'est régénération de santé. Putain, c'est cool maintenant qu'on doit plus se faire la guerre. Ouais, pour les loots, c'est bien ça. Et tu viens, mon gros? Ah, t'inquiète, j'arrive. Ah non, c'est pas là-bas. C'est la guerre en Pandore. C'est la guerre en Pandore. Merde, c'est le camp des éclipseurs. Mais je vois que les descendants sont déjà là. Les laisse pas s'emparer de la carte, faut plus. Putain! Les arbres sont à nous! C'est pas des masses de dégâts, ce petit pistolet mitrailleur. Ouais. Attends. Tracat, encore il met le feu, hein. Encore. Et attention qu'il a un gros chargeur. Ah oh bah ça va du coup. Tranquille. Oh, mais... oh putain, ça nous arrive par derrière, gros là. Par derrière, tu dis? Ouais. Mais putain, mais mon fusil à pompe il fait pas de dégâts, c'est un truc de fou! Par contre, ouais, du coup, là, y'en a à gogo ici. Ah, j'avoue. Hey bœuf! Ah, par contre, je me sens un petit peu frêle. Je sens que j'ai du mal à encaisser. Ok, là, il y a un truc. Ah,
Là, c'est quoi tous ces stuff qu'on loot, quoi? J'avoue, on en loot plein. Dingo, là. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que à chaque fois que je l'invoque, il s'enrage. Ah bah yes. Non, je peux plus l'invoquer, là. Personne dans les chiottes. Derrière, hein. Il est quoi ici? Et plus la tête. Viens par là, toi. Ah, j'aurais dû mieux me battre. Ouais, bah dis donc, c'est qu'on le veut vachement vite dans ce foutu jeu. Ouais, j'avoue. Ça va vite, là, hein. Vas-y mon gros, bouffe! C'est bon? Ah non, il y en a encore un bas. Eh, c'était drôle au début! Mais là, stop! Bon? Ouais, je crois que c'est bon. Finir. Ouais, ouais, je crois. Est-ce que quelqu'un vient m'aider? Et je préfère autant pas mourir comme ça! Putain, j'avais réflexe de Destiny, tu sais, de faire un double saut pour. Hé! Hey, un petit coup de main? Fais-moi descendre, ok? J'aime bien pendouiller, mais pas comme ça! Pas comme ça! Oh. Ah, j'ai le slip. Oh. Oh. Et... ouais. Ah, mes pieds, ça marche. Bien. Et content de te rencontrer. Ah, merci. Si t'avais pas débarqué, je serais sûrement mort. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais là? Je participe à une chasse sans fin pour la gloire de... Oh, tu veux dire là? Je travaille avec Lilith et les pillards écarlates. T'es avec le Faucon Ardent? Super, moi aussi j'ai traîné avec Lilith à une époque. Mais aujourd'hui, je suis un chef de guerre. Vive les éclipseurs. Enfin, j'étais un chef de guerre. Jusqu'à ce que mon clan tombe sur cette saloperie alien. Je leur avais dit de pas y toucher. Mais eux, ils ont fait quoi? Ils m'ont attaché pour donner le bidule au Calypso. Pas cool. Les gars! Ah! Bon, on ferait peut-être mieux de filer avant que les DDA reviennent. Alors, dis-moi, où est-ce qu'ils crèchent l'élite et ses pillards? Le centre de propagande de la secte, près d'ici. Il est à nous, maintenant. Ça me plaît! Allez, hop, on se met en route! Je vais passer devant, même si je suis complètement sans défense. Ne jamais montrer que t'as la trouille et pas d'armes sur toi! Gangsta style! Ok, alors attends, déjà, avant de lui parler, moi je vais regarder ce que j'ai looté. Là-haut, t'as un coffre. T'as vu, c'est moi sans les abdos et sans les cheveux. Hmm. C'est fou, hein. Ah, c'est fou comment le monde est petit. Ouais. Je sais pas quoi prendre en vrai comme arme. Parce que là, j'ai looté ce machin, je sais pas. Ok, ça, c'est une arme qui tire de plus en plus vite, hein, franchement. Celui-là, là, le bleu, là. C'est le même avec un viseur. Alors, c'est quel meilleur Gear Score? 94, 113, ouais, hop, 113. Et voilà, adjugé vendu. Non, il est où ton coffre? Ah oui, effectivement. Là, oh, t'as bon, des trucs fait. Dedans? Ouais. Bon oh, bah, c'est... Ah, je suis en inventaire plein, fais chier. Ah, c'est con. Attends, je vais jeter des merdes. Genre les premiers flingues à la con. Comment est-ce qu'on fait pour jeter? Je vais juste comparer mes boucliers. 3, 3. Hop. C'est quoi ça, niveau 5 lucky? Bah, ça se vendra bien.
Allez, c'est quoi, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va pas lancer la quête tout de suite, on va attendre. On ouais. fera ça pour le prochain épisode, je te propose. Yes, pas de soucis. Bon, allez loulou, sur ce, on va cesser ici. Prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la... attitude. Comme d'habitude, je procure. Vous connaissez la chanson, vous connaissez l'irex, vous connaissez le dicton. On vous laisse, on fait pas un peu tout partout. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est tout, tchabai, bouti bouti, que l'amour du pays, savez-vous. Chasseur, casseur, peace. Salut. Ouais,